Donc on va enchaîner avant de commencer donc la deuxième séance. Je voudrais remercier les organisateurs, et notamment Dr Boussetta de m'avoir invité, ainsi que ma collègue Chirag Messi pour modérer cette séance. Et donc tout de suite, on va enchaîner avec le premier cas clinique poumon et Covid présenté par Dr Gorbel. Salut à tous, chers maîtres, chers confrères. Permettez-moi de présenter ce travail intitulé « Poumons et Covid-19 ». Donc, la pandémie a commencé officiellement en Tunisie depuis mars 2020. Depuis, ça a créé une ambiance d'anxiété générale au niveau des médecins, des pédiatres. On est rassuré du fait que les enfants sont en majorité épargnés et avec un faible risque de maladie grave. Néanmoins, le COVID-19 peut entraîner des pneumonies sévères avec parfois une évolution fatale. Donc, le COVID peut entraîner des pneumonies. C'est une pneumonie qui n'est pas comme les autres, avec des manifestations cliniques très hétérogènes. Et on propose de rapporter ces observations de pneumonie COVID vécues au service de pédiatrie Farhat Hached de Sousse. Donc, je me permets de décrire un peu l'expérience du service de pédiatrie Farhat Hached au bout de 2 ans de COVID. Donc, on a vécu 4 vagues de COVID avec un maximum d'hospitalisation au mois de juin, juillet et août, probablement en rapport avec le variant Delta. Sur 148 cas positifs, 89 cas étaient hospitalisés. 59 cas étaient vus en externe qui n'ont pas nécessité d'hospitalisation, c'était des formes légères. Pour les cas hospitalisés, c'était dans le secteur COVID qu'on a créé au sein du service. 55 malades étaient donc hospitalisés en secteur isolement et 38% ont nécessité l'hospitalisation en secteur de réanimation. Parmi les cas hospitalisés en réanimation, nous avons 30 cas qui ont évolué favorablement et 4 cas de décès. Les causes de décès étaient un cas de SDRH chez un nourrisson de 1 mois, un cas de cardiopathie congénitale qui s'est compliqué dans un tableau d'insuffisance cardiaque chez un nourrisson de 2 mois, un cas d'état de mal réfractaire chez un encéphalopathe, donc c'était un syndrome de West avec encéphalopathie sévère, et un cas de mort subite avec une PCR faite en post-mortem qui a donc objectif, qui était positif. Commençons par la première observation. Il s'agit d'un nourrisson de 37 jours qui était admis en unité de soins intensifs de pédiatrie pour fièvre et dyspnée. Il n'y a pas d'antécédents particuliers, ni familiaux ni personnels. La notion de contage viral chez sa sœur âgée de 2 ans. L'histoire de la maladie remonte à 3 jours, marquée par une fièvre et rhinorrhée. Puis, le jour de l'admission, apparition d'une dyspnée d'aggravation rapide qui a motivé l'hospitalisation. À l'examen physique, le nourrisson était fébrile à 38,5. Il était polypnéique, 73 cycles par minute, des signes de lutte marqués, avec une saturation à 87% à l'air ambiant. L'état hémodynamique était stable, il était apathique avec un dextro correct. Pour les examens complémentaires, il y a un syndrome inflammatoire biologique, une CRP à 173, une PCT positive à 1,73, hyperleucocytose avec prédominance PNN, le gaz disant initial était correct, et on a fait un test diagnostique rapide du SARS-CoV-2 qui était négatif et là on a complété par une PCR COVID. La radiographie thorax initiale en post-intubation, donc là on voit une pneumopathie étendue du champ pulmonaire droit. On a perfusé le nourrisson, on a donné l'antibiotique, le clafaron de 100 mg kilo par jour. On a commencé par l'oxygène à haut débit 2 litres par kilo avec une FiO2 à 70%. Puis il était intubé à H2 de l'hospitalisation devant la persistance et la sévérité de la détresse et on l'a ventilé en mode vague volumétrique. Puis sédaté par hypnovel et kétamine. La première PCR réalisée
Donc, comme vous voyez, le résultat a contrôlé sur un autre prélèvement. On a refait donc une deuxième PCR COVID. Mais l'évolution après 48 heures, là, on a récupéré la deuxième PCR COVID qui était positive. Donc, on a un TDR négatif, une première PCR à refaire et la deuxième PCR après 48 heures qui revient positive. Concomitante à cette PCR, nous avons une aggravation de l'état respiratoire, un malade qui désature sous 100% d'oxygène. Donc, on a réalisé un gaz du sang artériel qui a montré un pH à 7,18, une hypoxie à 40, PCO2 73, bicar à 22 et une saturation à 88%. Donc, on a refait la radiographie de thorax de contrôle. Donc, vous voyez sur la radio donc, des champs pulmonaires presque blancs. Donc, la question, quels sont les éléments en faveur du diagnostic de SDRA chez ce patient? Si vous voulez, on répond donc ensemble. Est-ce que c'est l'atteinte alvéolo-interstitielle bilatérale? Oui. Le rapport SPO2 sur la FiO2 très diminué? Oui. L'absence d'éléments en faveur d'un OAP cardiogénique? Oui. L'évolution aiguë? Oui. L'hypercapnie au gaz du sang? Donc, ce n'est pas un critère, l'hypercapnie. On va voir donc, les critères d'SDRA. Donc, pour les critères d'SDRA, c'est un processus aigu. Donc, l'évolution dans les 7 jours suivant le mécanisme de début de la physiopathologie. L'imagerie, donc les images radiologiques, lorsqu'elles sont bilatérales, c'est en faveur, mais aussi unilatérales. Donc, on peut le voir dans le SDRA. Ce n'est pas un OAP cardiogénique ni un excès de volume. Et il faut aussi exclure une étiologie pulmonaire périnatale. Donc il s'agit d'un SDRA. Et dans ce cas, quelle est la gravité du SDRA chez notre patient? Est-ce que vous pensez que c'est léger, modéré ou sévère? Oui, c'est donc sévère, mais comment donc, on peut le confirmer? Il faut voir les critères d'oxygénation dans la nouvelle définition de PALIX 2015. Donc, on doit calculer notre index d'oxygénation qui est la FiO2 fois la pression moyenne fois 100 sur la PaO2. L'oxygénation saturation index, donc c'est la FiO2 fois la pression moyenne sous la courbe fois 100 sur la saturation en oxygène ou le PF ratio. On a calculé les rapports pour notre malade et donc on voit bien qu'on est bien dans les valeurs de SDRA sévère. Donc on a les valeurs pour la ventilation non-invasive et pour la ventilation invasive et on voit que nous sommes dans le SDRA sévère. Donc quels sont les traitements envisagés pendant la première semaine d'évolution du SDRA chez notre patient? À votre avis, est-ce que le volume courant peut être à 6 ml par kilo? Oui. La PEP, est-ce qu'elle doit être inférieure à 10? Non. Donc, c'est une PEP à 10. La fréquence respiratoire à 45. Le rapport TI sur TE un tiers. Donc, c'est non pour le 3 et le 4. La pression de plateau inférieure à 30. Oui. Donc, pour la ventilation du SDRA, on doit donc, elle doit être protective, c'est-à-dire qu'on doit utiliser de faibles volumes courants, une pression de plateau inférieure ou égale à 28, une hypoxémie permissive. Donc, on exige une saturation supérieure à 88% pour les SDRA sévères. La PEP doit être supérieure à 10. Et donc, aussi l'hypercapnie permissive, à condition donc, que le pH soit entre 7,15 et 7,3. Donc, on peut accepter une hypercapnie à condition qu'on ait dans un pH entre 7,15 et 7,3. Les traitements suivants peuvent être envisagés chez ce patient dans la première semaine d'évolution du SDRA. Est-ce que c'est l'ENO?
Est-ce qu'on peut utiliser le monoxyde d'azote? Oui, les corticoïdes. Pour les SDRA, c'est généralement la deuxième semaine. L'ECMO, oui, l'OHF et le tocilizumab. Donc, on va voir pour l'SDRA, donc, il faut faire la ventilation protectrice, la sédation optimale et on peut avoir recours au curare. L'ECMO, oui. Les traitements d'une éventuelle cause sous-jacente, les antibiotiques, les antiviraux, les traitements adjuvants, le monoxyde d'azote et le décubitus ventral sont tous recommandés pour le traitement d'un SDRA. Donc, pour le tocilizumab, on l'a discuté pour notre malade, mais c'est un traitement qui a l'AMM pour la tranche d'âge pédiatrique à partir de l'âge de 2 ans. Donc, pour notre patient âgé de 37 jours, on n'a pas pu prescrire car on n'a pas l'AMM. Il est indiqué en cas de COVID sévère qui nécessite l'oxygène, soit qui nécessite la ventilation non-invasive ou invasive. Donc, pour notre patient, on a essayé d'optimiser notre ventilation en mode VAC, mais il a désaturé toujours. Donc, on a essayé le mode OHF. On a associé les curares, on a donné du monoxyde d'azote inhalé, le décubitus ventral il était essayé, la dexaméthasone était rajoutée après avoir récupéré la PCR COVID positif et on a donné des HPPM à dose préventive, mais malgré tout cela, la désaturation persistait. Donc, est-ce que c'est une impasse thérapeutique? On s'est aidé là de l'expérience des anesthésistes réanimateurs adultes qui ont donc essayé le surfactant pour quelques malades avec succès. Donc on a instillé le surfactant en intratrachéal, la dose de 50 mg kilo fois 3 par jour. Initialement, on avait une bonne réponse initiale. Pour le surfactant, donc c'est un article qui prouve l'efficacité du surfactant pour l'SDRA COVID. On a utilisé le surfactant d'origine bovine, la dose de 50 mg kilo. Donc initialement, il y a une bonne réponse, mais secondairement, notre malade est décédé dans un tableau de défaillance multivéscérale, insuffisance rénale, la cytolyse hépatique. On a récupéré le résultat de l'immunité cellulaire qui était malheureusement non concluante. Ils ont demandé de contrôler sur un autre prélèvement le résultat de l'immunité. Ils ont conclu qu'il y a une lymphopénie importante portant sur toutes les sous-populations lymphocytaires. Le test NBT était normal. Les réponses immunogènes normales pour la PHA est très faible aux anti-CD3, donc elle était non concluante. On ne sait pas si cette lymphopénie est due à un déficit immunitaire cellulaire ou au COVID soi-même. Donc, cette défaillance multivéscérale, elle est décrite dans la littérature en cas de SDRA sévère. C'est pour la première observation. Un deuxième cas clinique. Donc, on passe à la deuxième patiente, Yumna, âgée de 8 ans, qui a été admise pour fièvre et dyspnée. Pour les antécédents, elle a un grand-père décédé suite à une infection COVID-19. Pour les antécédents personnels, une détresse respiratoire néonatale par inhalation de liquide méconial. Et depuis, elle est en bon état de santé. L'histoire de la maladie, donc, elle est marquée par la survenue d'une fièvre avec une toux sèche depuis 5 jours. Elle a consulté en ville, mise sous azithromycine pendant 3 jours, pivalente, mais sans amélioration. Donc, l'examen initial montre une obésité, donc avec un BMI à 29, elle était fébrile à 38, polypnéique à 34 cycles par minute, elle n'avait pas de signe de lutte respiratoire, avec une saturation à l'air ambiant à 90. Le reste de l'examen était sans particularité. Les NFS, les blancs à 4700, malheureusement c'est une NFS sans formule. La CRP à 12, le gaz du sang sous oxygène, pH à 7, 36, PO2 à 110,
le capni à 20 et des bicars à 13 avec des dédimères augmentés à 1580. La PCR COVID, elle est positive. Donc, on a complété par une TDM thoracique. Vous voyez là l'aspect en vert dépoli qui est évocateur d'une pneumopathie COVID avec atteinte estimée entre 50 et 75% du parenchyme pulmonaire. Quel traitement a envisagé chez Yomna? Est-ce que c'est l'oxygène, puisqu'elle saturait à 90%? Oui. Les antibiotiques, c'est oui. Donc, c'est discutable. Elle a de la fièvre, mais la CRP à 12. Les corticoïdes, l'anticoagulation prophylactique. Donc, pour les antibiotiques, d'abord, au début de la pandémie, on a tendance à mettre les antibiotiques, puis on a révisé les indications. Donc, la prise en charge, on a perfusé avec 1 litre mètre carré de surface corporelle. On a mis l'oxygène à haut débit, 25 litres par minute, avec une FiO2 initialement à 60%, le claforan, le stérogile, l'enoxa dose préventif et l'unidex 2 mg x 3 par jour. L'évolution, dès le deuxième jour, donc Yumna, elle est apyrétique, elle est apnéique, on a arrêté la perfusion et alimenté. La désaturation à l'air ambiant, elle persistait. À chaque fois, on essaie le sévrage de l'optiflow, mais elle désaturait. C'est l'hypoxie silencieuse. Donc, on a essayé de diminuer progressivement la FiO2 avec un sévrage de l'optiflow réussi au bout de 5 jours et sorti de l'hôpital sans traitement. Donc, pour l'oxygène à haut débit, il est indiqué chez les patients profondément hypoxémiques et recommandé afin de diminuer le recours à la ventilation mécanique invasive. Les corticoïdes chez l'enfant qui a besoin d'oxygène, même sans nécessité de la ventilation, l'utilisation des corticoïdes doit être prise en considération au cas par cas. Donc, pour les doses selon l'OMS, donc voilà les doses, on peut utiliser la dexamétasone, le prédnisone, le méthylprédnisolone ou l'hydrocortisone. Donc, la plupart des publications, ils ont utilisé la dexamétasone, 0,15 mg par kilo, avec dose maximale de 6 mg, en dose unique pendant 10 jours. L'anticoagulation prophylactique, donc elle est utilisée pour les enfants de moins de 12 ans, donc surtout lorsqu'ils sont à risque accru de complications thromboemboliques. Pour les doses inférieures à 2 mois avec l'enoxaparine, c'est 0,75 mg kilo par dose, 2 fois par jour en sous-cutané. Et pour les supérieurs à 2 mois, c'est 0,5 mg kilo par dose, 2 fois par jour en sous-cutané. Une autre observation, donc c'est Ahmed, il est âgé de 11 ans, il est sans antécédent. Ahmed consulte en ville pour des rachialgies atroces, sans signes respiratoires, d'où une TDM du rachis dorsal était faite. Et là, on tombe sur une pneumopathie, donc évocatrice du COVID, avec atteinte estimée à 30% à droite et 8% à gauche. À l'examen, il était obèse, c'est une obésité morbide avec un BMI à 34. Il était apnéique, l'auscultation sans anomalie. La saturation, elle était à 97% à l'air ambiant. L'état hémodynamique stable. Donc, on a fait un bilan, l'NFS, la CRP, il n'a pas de syndrome inflammatoire. Les enzymes cardiaques sont normaux, les dédimères à 547. Donc, on a surveillé Ahmed pendant 48 heures, puis il est sorti sans traitement. Donc, pour conclure, les messages clés. Donc, que le COVID peut se présenter de façon multiple. Il y a des tableaux cliniques très hétérogènes. Il faut penser au COVID-19. Le diagnostic n'est pas toujours facile. Vous voyez, pour la première observation, on a fait le TDR, une première PCR, la deuxième. Il faut toujours se protéger, penser au COVID et se protéger. Il faut chercher les signes de gravité.
prendre la saturation de façon systématique. On a vu pour la patiente Yumna, elle avait une hypoxie silencieuse. Donc, elle est devenue apnéique rapidement, mais la désaturation persistait. Il faut insister sur la précocité de prise en charge. Ça pourrait être grave. Merci pour votre attention. Merci. Merci, docteur Gorbel, pour ces belles illustrations de l'atteinte pulmonaire à COVID. On laissera les questions pour les deux cas cliniques à la fin.